Bonjour les amis, c'est Walker Baouini, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, de nouveaux tutoriels basés sur l'addiction et alimentation en eau potable. Je suis ingénieur civil de construction et puis nous avions fait beaucoup de projets avec vous. Vous aviez été nombreux pour nous suivre. Pour des projets de bâtiments avec robots structures, on a un peu inséré les séismes. Nous avions encore fait des vidéos sur suivi 3D, le projet routier. Et nous avions récemment fait des vidéos sur suivi 3D, mais cette fois-là, projet d'égout. Et on a fini ça avec le logiciel SWIM. Nous continuons notre parcours. La série d'aujourd'hui, c'est basé sur l'alimentation en eau potable. Et puis, le logiciel que nous allons utiliser sera le logiciel de SIG pour la récolte des données. Nous allons commencer un projet à zéro. On ne va pas commencer, débuter un projet tel que je le vois. Quelqu'un qui débute le projet en eau potable, il commence directement avec un réseau déjà tracé, avec des débits, avec de diamètres. Et voilà, non, non, non. Nous allons commencer un projet à zéro. Et serrez votre ceinture. On va passer par la récolte de données jusqu'à reconstituer les réseaux, à trouver la dotation pour la population que nous aurons. Et à essayer de faire une répartition partielle de ces débits, et puis à utiliser, ça sera un réseau maillé, à utiliser la méthode de Cross pour les calculs de la répartition de ces débits, et puis dès qu'on termine avec Cross, on pourra amener les réseaux sur Epanet pour faire l'optimisation. Voilà un peu, en grosso modo, le parcours ou encore ce qui va nous réunir aujourd'hui. Voilà. Alors, comme dit, nous commençons un projet à zéro. Je suppose que pour quelqu'un qu'on lui demande de faire, par exemple, un projet d'alimentation en eau potable, où il est peut-être à Kisangani, il va se ramener sur le lieu du projet avec son GPS pour essayer de prélever le point de référence qui délimite son espace, son quartier, sa ville. Et puis, il peut ramener les points retrouvés par GPS sur le logiciel Google Earth pour essayer de les retrouver sur Google Earth. Mais pour les cas en espèce, je vais prendre au hasard un espace sur Google Earth. Ça revient à dire la même chose. Et puis, à partir de cet espace, nous allons chercher à tracer les réseaux, à calculer les réseaux maillés et puis à l'amener sur SWIM, sur Epanet, pardon. Bon, comprenez que Epanet et SWIM, c'est de la même famille. On va l'amener sur Epanet pour chercher à optimiser les réseaux. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir le logiciel Google Earth. Double-clic. Double-clic sur le logiciel Google Earth. Et pour ce genre de projets, vous devez toujours, toujours et toujours être connecté. Vous voyez, moi, je suis connecté. Le logiciel que nous utilisons pour la récolte d'un seul logiciel SIG, pardon, nous avons la collection de Google Earth Global Mapper et Civi 3D. Donc, ceux qui ont fait ces projets routiers avec moi, le projet d'assainissement réseau d'égout avec moi, vont se retrouver ici. La première partie, elle est identique. Mais quand on va commencer à tracer les réseaux, ça fera un peu de différence avec le projet précédent. Mais après ce projet, je pourrais encore faire sur demande, parce qu'il y a beaucoup qui demandent les dimensionnements des collecteurs à ciel ouvert, les caniveaux. On pourra reprendre rapidement. Bon, alors, je vais chercher Kisangani. Kisangani. Enter, c'est une ville qui est déjà connue. Beaucoup tapé sur Google Earth. J'attends. Voilà. Je suis à Kisangani. Il y a plusieurs projets qui ont été faits ici. Il n'y a pas de problème. Je crois que je peux les éteindre rapidement. Je peux les désactiver pour que la visibilité ne soit que ce que nous faisons maintenant.
Oh, carrément. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de zoomer. Vous savez bien que la dernière fois, nous avions fait une étude ici. Là, l'aéroport de Bangboka est là, de Kisangani. Nous avions fait une étude ici sur les quartiers ici qui étaient appelés les quartiers météo. Aujourd'hui, pour l'alimentation en eau potable, je change un peu d'outil d'épaule. Je quitte ici et je vais vers ce quartier ici. Là. Voilà. Je vais d'abord supprimer tout ça. Là. Je supprime. Supprimer. Là. Supprimer. Bon, ici, c'est parce que j'avais travaillé récemment sur cette partie. Mais chez vous, vous n'aurez pas tout ça. Là, supprimer. Voilà. Donc, regardez, je suis ici. Je limite les quartiers ici. Je vais étudier les quartiers là. Et vous voyez, je vois une petite route ici. Je vais simuler ça. Donc, je prends les quartiers ici. Bon, comme c'est une étude instructive, si je prends le plus grand quartier, j'aurai beaucoup de mailles. Alors, vous risquez de ne plus comprendre ce qu'on va faire. Je vais limiter l'étude ici. Je vais étudier les quartiers ici. Je vais alimenter ces quartiers en eau potable. Et vous n'oubliez pas qu'ici, c'est le fleuve. Donc, je peux placer le réseau ici. Disons, je peux placer la source. Je vais puiser de l'eau ici. Et puis, je peux placer même les lieux de traitement ici, l'usine de traitement. Et puis, je peux envoyer ça dans les quartiers ici pour l'alimenter. Mais ici, je vais souligner tout au départ que je vais utiliser une alimentation gravitaire, c'est-à-dire j'ai la source, je prends de l'eau ici, je vais traiter, j'envoie dans les citernes, dans les châteaux d'eau. Qui sera un peu surélevé, et à partir de ce château d'eau, je vais alimenter par gravité les quartiers. Mais maintenant, à partir de cette configuration, je ne sais pas là où placer les châteaux d'eau. Je vais chercher d'abord le lieu le plus haut de ces quartiers. À partir de ces lieux les plus hauts, je vais maintenant donner peut-être une différence de 5 mètres. Donc, les citernes peuvent être surélevées de 5 mètres. Pour que la perte de charge soit minimisable et que la pression se ressente un peu partout. Voilà. Mais le minimum, c'est 3 mètres, mais moi, je vais placer 5 mètres. Alors, donc, pour avoir tout ça, il faudrait que j'aie d'abord toutes les données sur cet espace. Et vous savez qu'ici, sur Google Earth, c'est incomplet. Il faut être sur suivi 3D. Quand j'ai la configuration pareille, je sais que j'ai les courbes des niveaux, j'ai les altitudes, j'ai tout ça, tout ce que j'aurai, profil à long, profil à travers. Je pourrais retrouver l'endroit où placer optimalement la citerne ou le château d'eau. Et puis, je vais tracer les réseaux. Alors. L'espace à utiliser, c'est cet espace. Je vais quand même les matérialiser. Je prends trajet. Là. Et puis, ici, je peux l'appeler quartier. Quartier Kisangani. Addiction et alimentation en eau potable. Je vais ici, la couleur, je prends rouge. Et puis, ici, je prends par exemple 4 pour la visibilité. Je vais tracer. Je commence ici, jusque-là. Ici. Là. Et puis là. Voilà. Donc, c'est ce quartier ici qui m'intéresse. Alors, je vais faire des études ici. Pour alimenter ces quartiers en eau potable. Vous n'oubliez pas que je viens de vous dire que je vais placer la source ici. Je peux prendre de l'eau ici, une usine de traitement, et puis j'envoie dans les réseaux. OK. Alors je vais, comme d'habitude, dézoomer, placer des repères comme on l'a fait dans d'autres tutos. Donc je prends les repères ici, je le place ici.
haut de l'écran. Et puis je l'appelle ici le nord. Le nord, pour celui qui avait le GPS, qui avait déjà les délimitations de son espace, mais il est question de prendre les repères. Et ici, vous placez, vous remplacez votre X, vous remplacez votre Y. Dans le tuto précédent, j'avais montré que si votre Google Earth n'est pas dans ce système d'abscisse ordonnée, il va s'afficher sur latitude et longitude. Il faut aller ici, dans Outils, et puis vous allez configurer pour ramener ça suivant X et abscisse ordonnée. Je vous renvoie dans les vidéos précédentes. Tapez sur YouTube Walker Baweni et allez sur le projet routier ou encore sur le projet d'égout. Vous allez voir comment. Mais tout à l'heure aussi, je vais reprendre pour ceux qui auront cette difficulté. Voilà. Donc, je ne modifie pas. C'est les coordonnées de là où j'ai placé le nord. Et puis, je fais OK. Je prends le deuxième repère. Je le place ici. Et puis, je l'appelle sud. Sud. Je prends le troisième. Un peu à droite. Là. Je le mets un peu ici. Je l'appelle est. Et puis, je prends le quatrième repère. Je l'amène un peu là. Le quatrième repère. Je l'amène un peu là. Comment ça, je fais annuler. Le quatrième repère. Annuler. Le quatrième repère. Je l'appelle Est. Ouest plutôt. Ouest. Mais il faudrait qu'il soit bien placé. Je l'amène. Je le prends. Comment ça? Là. Bon. Je le laisse d'abord comme ça. Ouest. Je fais OK. Je vais ici. Propriété. Je peux le déplacer jusque-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, voilà, il est là. C'est les caprices informatiques. J'ai ouest. Voilà. Donc, j'ai le nord, sud, est, ouest. Donc, j'ai délimité l'espace ici. Il est contenu dans cette délimitation. Je peux prendre déjà une photo. Je vais sur capture. Capture. Je prends l'outil de capture. Rapidement. Alors, je prends la photo Google Earth de l'endroit d'étude. Fichier enregistré sous. Et puis ici, je vais sur YouTube. Vous voyez, il y a beaucoup de projets ici. Les autres sont encore projet. Projet routier, c'est déjà fait. Projet béton armé, point béton armé, pas encore. C'est en cours. Le bâtiment, c'est déjà fait. L'égout, c'est déjà fait. Alimentation d'eau potable, c'est ce que nous faisons maintenant. Vous avez la planification du projet avec MS Project que je prépare. ECRAS ici, c'est les collecteurs à ciel ouvert. Donc, il y a plusieurs choses qui viendront. Cherchez de vous abonner pour ça. Alimentation d'eau potable, je viens ici, nouveau. Alors, je l'appelle projet alimentation en eau potable. Qui s'en gagne? Je crée le premier dossier comme ça. Double-clic. Double-clic. Et puis ici, je parle d'image Google. Voilà, je peux mettre ça dans les rapports. Enregistrer. Je ferme ici. Et vous savez bien qu'il faut faire un carnet pour prendre la délimitation de cet espace. Et puis amener ça sur Global Mapper pour avoir plus. D'informations, plus de coordonnées ici X, Y, Z pour importer sur Civi 3D et faire le tracé du réseau. Alors, je vais ouvrir les carnets. Je cherche ici bloc-notes. Bloc-notes. Voilà, je vais ouvrir. Alors, zone de projection, comme d'habitude.
Ici, je parle des zones. Zone, c'est quelle zone? Vous allez voir ça. Alors, j'ai ici le nord. Nord, il est question de noter l'abscisse X et l'ordonnée Y. Et j'ai fait ça pour nord, sud, est, ouest. Je copie carrément. Ici, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V. Donc, j'ai nord, ici j'ai sud. Je vais ici, je mets est. Et puis ici, je mets ouest. Alors, pour ceux-là qui avaient des difficultés pour régler les problèmes de la zone de format des coordonnées, latitude et longitude, si votre Google Earth affiche latitude et longitude, vous allez ici sur Outils et vous allez sur Options. Dès que vous êtes là, ici, moi, je suis sur Projection Transverse Mercator. Mais là, chez vous, c'est peut-être degré décimal. Alors, changez, mettez ça, cochez, et puis appuyez sur Appliquer. OK, le problème sera résolu. Voilà, je vais sur le nord, je clique à droite, propriété. Vous voyez que la zone de projection, c'est 35 nord. 35 nord, je copie. Qui s'en a, c'est 35 nord. CTRL-V, c'est ça la zone de projection. X, abscisse pour le nord, je copie. Je vais coller. Je copie l'ordonnée. Je vais coller. Sud, donc je ferme ici. Je vais sur le sud, propriété. Je copie l'abscisse des sud. Je colle. L'ordonnée des sud, je copie. Copier. Je vais coller. Je ferme ici. Est, propriété. Je copie l'abscisse de Est. CTRL-V. Je prends l'ordonnée. CTRL-V. Je ferme. Et je vais vers Ouest. Je copie l'abscisse. CTRL-V. Je vais sur l'ordonnée. CTRL-V. Voilà. Donc, j'ai le carnet d'adresse que j'ai essayé de délimiter l'espace sur Google Earth. Et je vais passer avec ce carnet sur Global Mapper pour essayer de faire le prélèvement de modèles numériques du terrain qui va me permettre de modéliser ce terrain sur le suivi 3D. Je vais sur Fichier, Enregistrer. Et puis, je vais chercher la destination. Disque D, YouTube, alimentation d'eau potable, projet, addiction d'eau potable qui s'engage. Et j'ai dit ici, délimitation Google Earth. Google Earth. C'était avant. Voilà. Enregistré. Et puis, je peux dire que le travail sur Google Earth est fini. Je vais passer maintenant sur Global Mapper. Alors, je ferme ici, et puis voilà. Cette première partie du prélèvement des données sur Google Earth est finie, et puis on se revoit au tuto prochain pour ramener ces prélèvements que nous avons pris sur Google Earth, sur Global Mapper, afin d'avoir les prélèvements à chaque 10 mètres qui vont nous permettre de modéliser le terrain sur Global Mapper. N'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de liker, de commenter. Voilà, ça me fera énormément de bien. Liker, partager énormément la vidéo pour que les scientifiques ingénieurs qui sont encore dans ce monde, qui ont besoin de connaissances, qui peuvent les utiliser gratuitement. Merci, à la prochaine. Ciao.